À coup fourré de la campagne, tous les jours, nous découvrons une nouvelle candidature. Hein, Jean-Jacques, Mathieu, Pierre, tout le monde a été bien sage parce que j'ai un beau cadeau ce matin à vous offrir. Mais oui, un beau cadeau, le clip de candidature de Michel Alliot-Marie. Ensemble, nous allons réussir, non seulement pour construire l'avenir, mais tout simplement pour que la France soit grande à l'image de son destin et de sa vocation. MAM 2017, je vous promets que ce n'est pas une blague ou une parodie. La Hillary Clinton du Sud-Ouest se lance officiellement dans la course. Bon, d'accord. Pendant ce temps-là, à gauche, la primaire commence à rassembler à une boîte de nuit. Oui, et comme devant chaque discothèque, il y a le videur. Eh bien, à gauche, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui joue ce rôle. Imaginez, samedi soir, vous vous êtes fait tout beau, bien habillé, vous êtes avec les copains, vous arrivez devant la boîte de nuit, et là, le videur vous dit... Nous sommes un peu victimes de notre succès. Tout le monde veut en être. Mais je tiens à dire que la primaire de la gauche, ce n'est pas open bar. La primaire, c'est pas open bar. Résultat, certains candidats se font recaler à l'entrée de la discothèque par le videur. On ne peut pas accepter Nouvelle Donne et Monsieur Larutourou, le MRC de Bastien Faudeau, ni le MDP de Sébastien Nadeau. Désir de souscrire à la belle alliance populaire est pour nous un petit peu tardif. Ouais, autrement dit, soirée privée. Pas de basket, il faut revenir. Circulez, messieurs. En revanche, comme dans toutes les boîtes de nuit, il y a les VIP, ceux qui peuvent entrer sans condition. J'ai envoyé une lettre à Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour leur demander de... rejoindre la primaire de la gauche. Voilà, pour Jean-Luc et Emmanuel, il ne sera jamais trop tard, ils pourront entrer sans faire la queue. Donc Manuel Valls est mon invité, dans quelques instants, la rivalité entre Emmanuel Macron et Manuel Valls fait la une de la presse. Oui, match de programme, mais aussi d'image. Par exemple, quand il s'agit de choisir sa musique au moment de monter sur scène. Du côté d'Emmanuel Macron, lors des meetings d'En Marche, le candidat arrive sur scène avec de la musique moderne, voire très branchée. Ça, c'est très bonne de nuit. Chanson australienne, le duo Le Maître, utilisée dans les pubs pour Google, donc chanson qui colle bien à l'image d'Emmanuel Macron. En revanche, choix radicalement différent pour Manuel Valls. Mercredi soir, dans le Doubs, Manuel Valls a fait son arrivée sur... qui nous replonge 30 ans en arrière, 1986, le compte à rebours final chantait les rockers suédois. Oui, Manuel Valls qui sera avec nous dans quelques instants. Le compte à rebours est lancé. Le compte à rebours est lancé et avec vous entre 9h et 9h30 évidemment. Il est 8h25. Votre actualité en ce moment pour beaucoup d'entre